L'école de soi vous propose silence intérieur. Une méditation guidée au sein du silence. Installez-vous confortablement. C'est votre cadeau à votre corps. On libère les tensions, les tonicités inutiles, les postures inconfortables, les points douloureux. On respire profondément, tranquillement. Puis je vous propose de plonger avec un maximum de conscience, d'attention, dans l'écoute des sons, les sons perçus dans la pièce où vous vous trouvez, la voix, peu importe, observez-les comme des couleurs qui émergent et qui changent, juste comme des informations qui apparaissent, comme des expériences qui se succèdent. Vous pouvez aussi observer ce que raconte votre mental à leur sujet et en sourire. Pourquoi étiqueter toute chose? Pourquoi étiqueter un son au lieu de le vivre? Trouvez le son, trouvez juste sa fréquence, la vibration, la sensation qu'il crée en vous, dans votre espace. Laissez le mental étiqueter ou pas. Plongez dans les sensations du son. Observez qu'entre chaque son important, il y a un espace de silence, une parenthèse. Même si c'est un son permanent, un sifflement, un bourdonnement, à l'arrière-plan, il y a un silence. Focalisez sur ce silence, sur les pauses entre les sons. Les pauses entre les sons. Observez que ce silence est toujours là, à l'arrière-plan. Derrière tout son, il y a ce silence en toile de fond. Derrière toute pensée, il y a ce silence en toile de fond. Derrière toute sensation, il y a ce silence en toile de fond. Essayez de trouver une limite à ce silence. Est-ce que vous pouvez en définir les contours? Vous voyez comme on le suit. Il s'étend d'autant plus vite. Parce qu'il n'a juste pas de limite. Il est sans limite. Sans temps, il a toujours été là. Il sera toujours là.
observez comment vous vous sentez dans ce silence. Laissez-le vous enseigner. Laissez-le vous montrer sa complétude. Laissez-le vous montrer la voie. Est-ce que ce silence a des besoins? Est-ce qu'il a des désirs? Pourrait-il se sentir incomplet? Est-ce que ce silence a le moindre problème? Observez la joie que ce silence porte parce qu'il n'a aucune pression. Aucun élan, aucun désir. Observez la puissance de ce silence qui n'a juste qu'à être ce silence. Qui était là avant toute chose et qui sera là après. C'est notre véritable conscience, c'est la vie elle-même. Ou pas. Mais si vous trouvez ce silence confortable, plongez-y le plus souvent possible. Il est toujours là, il nous attend derrière le tumulte, les bruits, le stress, les tensions. Il est toujours là. Derrière les illusions, ce silence, conscience, est toujours là. Et c'est ce que nous sommes.